Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero, les amis. Et on va partir tester le All Might que j'ai monté. Là, on se retrouve sur l'arbre de talent, sur les talents du personnage. Vous voyez que j'ai augmenté la branche supérieure qui se trouve à droite. C'est la plus rentable de mon point de vue, ou sinon qui est égale, ou voire meilleure, ou un petit peu meilleure. Que celle qui se trouve juste en bas. Du coup, avant de partir le tester en PVP coop et en PVP en temps réel, les amis, je vais vous expliquer pour quelle raison il faut monter soit la ligne supérieure, soit la ligne, enfin soit la branche supérieure, soit la branche inférieure, et non la branche qui se trouve à la gauche. Celle qui se trouve à la gauche, en fait, le seul point positif, hein, réellement, c'est que ça ne fait qu'augmenter les dégâts de la troisième charge, de la deuxième ou troisième compétence qui s'appelle Heavy Strike. De 30%, ok, c'est cool, mais sans plus que ça. Alors que cette ligne-là que j'ai montée, le personnage, en fait, une fois qu'il est à moins de 40% de ses points de vie, il recouvre automatiquement 30% de ses points de vie max. C'est juste incroyable. Et au cas où si vous n'aimez pas cet aspect-là de ce personnage, la branche inférieure, qui est, enfin la branche qui se trouve juste en bas, celle-là, elle est largement meilleure concernant les dégâts. All Might gagne un shield équivalent à 20% de ses HP 20, de ses HP max, et améliore ses dégâts. Son attaque plutôt de 50%. Ce n'est pas tout. Enfin, pendant 5 secondes. Et ce n'est pas tout. On est sur une autre compétence, la troisième charge de Heavy Strike. All Might va faire une auto. Ça fera une auto-poursuite. Du coup, si je traduis ça fait tout simplement. Un missile auto-guidé en fait. C'est incroyable. Il va directement toucher la cible depuis cette compétence. Imaginez juste ces deux lignes maxées et améliorées. Réellement, ça sera overcheaté. Sur ce, on va directement aller le tester. Je l'ai testé. Je l'ai déjà testé. Et j'étais vraiment étonné parce que moi sur la chinoise je ne l'avais pas monté de cette manière. J'avais commencé à le monter sur la ligne de gauche, puis après la ligne de la régène. Et là réellement, ça sera incroyable. On va aller en coop. Ça va être un peu tendu. Twitch. Ça va être un peu tendu. On va jouer contre le Tanjiro. Ok, il a dû monter tous ses persos S en soi. Je vais la jouer comme ça. Recommended. Ouais, non, on va pas le jouer comme ça. On va garder ça en attaque. 10% en attaque. Et vous allez voir les dégâts incroyables de All Might. Qui fait, comment il est joué en auto, ça sera juste incroyable. On y go. 3, 2, 1, c'est parti. Alors. Là, il s'est fait cancel, mais vu qu'il fait que sauter, il fait sauter, enfin, il ne fait que sauter dans tous les sens, ben, ça lui permet de gagner l'avantage sur... Voilà, là, contre Momo. Et contre les autres, en vrai, j'aurais dû jouer Fumikage et Mineta. Mais sinon, ouais, j'aurais pas dû jouer de cette manière. Avec Fumikage, ça aurait été plus simple vu qu'il attaque tout le monde. Et Mineta, vu qu'il attaque de loin et qu'il stun et qu'il frappe en zone, j'aurais dû garder tout simplement, comment elle s'appelle, Oshako pour la fin. Ouais, dans tous les cas, la Fumikage, il va gagner. C'est sûr à 200%.
Ah non, mais c'est du 3 contre 1 par contre. Ça va être tendu, ouais. Ouais, ça va être tendu. On va refaire un dernier combat. Après, mine de rien, les gars, je n'ai pas. Pour tout vous dire, je n'ai pas ces cartes. Du coup, ça rentabilise. Ça rentabilise pour l'ennemi et pas pour moi. Moi, j'ai à peine 55 000 de puissance à l'heure actuelle. Ça va être un peu tendu pour des joueurs comme ça. Et on va faire ça. Voilà. On va le jouer de cette manière-là. On va garder cette compo. Lui, on va le mettre devant, comme ça pour le couvrir, on ne sait jamais. On va mettre ces deux-là devant. Et là, on va le jouer de cette manière. Les 5 ans, en fait, ils sont trop importants. Les 5 ans de différence. Et voilà, là ça va être un peu. Déjà là ça sera un peu différent. Voilà la fameuse tornade. Ce qui est bien avec Momo, c'est qu'en fait elle counter enfin elle cancelle les attaques. Mais elle est squishy, du coup, ça rentabilise pas trop sur. Voilà, il continue d'attaquer. C'est incroyable, hein. Il est toujours vivant. Grâce à sa régène, il a recouvert pas mal d'HP. Attaque plus 44% en réduction. Et je l'ai équipé avec la carte du sniper, le héros sniper. Hein. N'oubliez pas. Voilà, qu'il vient d'utiliser. Et là, bim, 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 il enchaîne. Bah, il s'est fait tuer par. Il s'est fait tuer par. Comment il s'appelle Oshako. Ah non, là je gagne. Ok, ouais, c'est bon, je gagne. J'ai failli perdre le Fumikage. Mais comme vous l'avez vu, grâce à sa régène, il a pu rester très longtemps sur le combat. Et qui plus est, il en a battu deux. MVP. On va aller voir les dégâts. Il a fait 63 000 de dégâts. Sur, quand même, sur 4 persos de type. Enfin, 4 persos S. Et réellement, c'est lui qui a fait le plus de dégâts sur toute la partie, juste après Fumikage. C'est incroyable. Du coup, on enchaîne. Est-ce que vous pensez que j'ai le niveau nécessaire pour le 66 000? Est-ce que vous pensez que j'ai le niveau nécessaire? On va voir. Bakugo, Shoto, Oshako. On va tester. On va payer, on va tester. Mais je vous promets rien. En vrai, si je mets ça comme ça. Ouais, bon allez, go. On y go. Allez. Là, il les ramène tous au milieu. Bim. Il frappe en zone. Enfin, Fumikage les a ramenés. Lui, il les a bump. Tornade. Il en a pris deux sur lui. Et là, il y en a deux qui vont mourir chez lui, chez l'ennemi. La paralysie, elle est vraiment cancer, celle de Denki. Par contre, une fois que comment elle s'appelle? Oshako, elle tombe désert, elle sert plus à rien. Ok. Alors, il est où? Il est en bas. Et il y a Bakugo qui va crever. Tornade, il les a propulsés. Attaque plus 40%, move speed. Il a pris dans un coin et bim, là il va le fumer. Ah, dommage, il l'a perdu au dernier moment. Mais il va se faire tuer par Oshako. Et voilà. Qui a été. Normalement, je crois. Encore All Might MVP. Je vous ai dit, il est beaucoup trop fort, les gars. Il est beaucoup trop fort. 83 000 de dégâts.
Ça régène et ses dégâts augmentés en permanence grâce à ses cartes et son orbe de talent. C'est juste incroyable, les amis. C'est vraiment très bonne unité PvE, très bonne, enfin très bonne unité PvP auto et très bonne unité PvP. Parce que là, on va le tester en PvP, les gars. Vous allez voir à quel point c'est cheaté. Nice. On va tester. Dernier combat, les gars. On va recharger. On prend le coup. Il en a 3. Ça va être tendu. On va changer la formation, les gars, avant d'aller en PvP. Et on va faire ça. 3, 2, 1. Ok. Ah ouais, par contre, son photo. Ok. Il en a pris deux. Ah, Fumikage, il est mort. Par contre, il leur a mis cher, hein. Il est toujours vivant. Il les mange en 1v3. C'est incroyable. Full critique. Dégâts augmentés. Là, il commence à prendre cher, par contre. Ça va switch. Il a bien servi. Mine de rien, il a vraiment bien servi. Hein. Et là, bim. Il y en a combien qui vont mourir? Normalement, il y en a deux. Du coup, on se retrouve en 2 contre 1. Il va crever. Et voilà. C'est vraiment, vraiment ce personnage, le fait qu'il projette tout seul, encore MVP. C'est incroyable. MVP sur MVP. Perso MVP. J'ai trouvé le titre de la vidéo. Perso MVP. C'est insane. Suivi de Oshaku derrière. Et en face. Ouais, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Bam, dégâts en zone, bump, effet de contrôle, dégâts augmentés, move speed augmenté, critique augmentée. Le personnage il est juste insane, réellement, c'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, on va basculer. En plus, là, je passe le truc et je vais pouvoir augmenter. Nice, c'est excellent. Oh, 293, excellent, excellent. Du coup, les amis. Là, on va basculer en PVP manuel. Et vous allez voir que le niveau est réellement incroyable. Par contre, c'est possible, les amis, que j'ai du lag. Que j'ai du lag parce que j'ai pas une connexion incroyable. Et il se peut que j'ai des déconnexions sur le combat. Du coup, à chaque fois que j'ai des déconnexions, je fais en sorte d'attendre juste le prochain fight, le prochain combat. Et de recommencer pour vous montrer le plein potentiel de All Might. On y go. On va aller en PvP en plus. Du coup, ma team, c'est Midoriya, Fumikage et All Might. A priori, en face, on va tomber contre pas mal de All Might. Excepté cette fois-ci. Ok, on est en T5, on est dans la plus basse division. Parce que, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai énormément de lag. Voilà, là, j'ai mis un petit freeze. Mais pour le... je vais vous montrer après. Voilà, j'ai mal joué. Ok, il a bien géré. En vrai, ouais, là, il va me battre. Mais après, c'est juste pour vous montrer le gameplay de... Dès que je peux basculer, je basculerai de All Might. Voilà, le premier lag, les gars. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est dommage. Parce que ça nuit un peu à l'expérience du joueur quand il est en PvP. Il y a énormément de lag de ce type-là. Mais vous inquiétez pas. On va changer de connexion. Parce que j'ai pas eu de problème avant. Je sais pas pourquoi. Maintenant, là, j'ai un problème. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va basculer sur la connexion. Sur notre connexion. Ok, ça va revenir.
Normalement, ça va revenir sur Unai vu qu'il va me battre. Ok. Et il en profite bien. Et il en profite vraiment bien. Voilà, ça c'est dégueulasse par contre. Voilà, on spam. C'est dommage, hein. Je peux pas vous montrer parce que j'ai du lag. J'ai réellement du lag. Du coup, on va recommencer notre combat. Là, en vrai, l'adversaire, il se croit fort. Mais il sait pas que j'ai eu du crash. J'ai eu un crash. Mais regardez juste en termes de dégâts. Midoriya, ça reste une bonne unité en PvP. Mais de là, All Might, il est arrivé. Ça, c'est du full TP, dégâts, attaque depuis les airs, attaque en zone. C'est n'importe quoi. On va pas le laisser attaquer. Hein. Ah voilà, ça continue à lag. Ça continue. Tendu. Mais on va pas se laisser abattre, les amis. On continue. On augmente nos dégâts. Faut pas que je le laisse attaquer en fait. Voilà, je l'ai esquivé. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Là, je bascule. Et là, il a AFK, il a rage quit. J'ai gagné face à son All Might. Je l'ai fumé avec Midoriya. Il a rien compris, le pauvre. Mais je vais vous montrer un peu le gameplay. Vous allez comprendre. Le petit one shot du Q-spell chargé au max. Bon, là, il a rage quit. Voilà, il a rage quit, c'était sûr. J'ai battu son petit All Might avec Midoriya. Il a pas trop kiffé, le petit. Il a pas kiffé, c'est normal. C'est normal. Un perso free-to-play qui fumait un perso qui vient de sortir en PvP, c'est quand même dérangeant. C'est humiliant. Du coup, voilà, c'est revenu. J'ai une petite déconnexion. Et on enchaîne. En fait, dès que je vois. Si je vois Kirishima. Et comment il s'appelle? Ou Midoriya en face, je vais switch sur All Might. Mais si j'ai pas ces adversaires en face de moi, ça sert à rien que je switch. Par exemple là, je vais switch. Et il pourra rien faire contre All Might. Hein. Regardez. Voilà. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et je suis déjà bientôt à 7 stacks. Hein. Et je vais le fumer. Hein. Voilà. J'aurais pas dû le lancer sur ce personnage. Mais. Et ouais, ça contre. Par contre, j'ai plus de compétences. Par contre, ce qui est bien. Regardez, bim. J'enchaîne. J'allais jusqu'à 5 stacks. Hein. J'ai raté. Oh, encore un crash. Oh là là, c'est incroyable. J'ai vraiment pas de chance. Je hein. Peux vous montrer un bon gameplay. C'est dommage. C'est dommage, du coup là il va me battre. Il ou elle va me battre, du coup. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, du coup c'est revenu. Bah, il profite. Du fait que je sois AFK. Bah, je vais le contre-attaquer sur ça. C'est dommage. C'est pour ça que je déteste faire du PvP avec autant de lag. Je ne peux pas en fait, je ne peux pas en profiter. C'est dommage. Parce que réellement, les adversaires, ils sont nuls, hein. Ils savent pas jouer.
Ils sont vraiment nuls. C'est juste que les crashs sont en permanence sur mes parties. Du coup, je perds tous les matchs. Voilà, normalement, là, j'aurais dû le contrer sur ça, mais avec la latence et les prises, c'est infaisable. Après, c'est dommage. Voilà, normalement, par ça, il n'aurait pas dû me mettre de dégâts, mais bon. Parce que réellement, il est vraiment très très nul, hein. Il sait pas jouer, il fonce dans le tas, il spamme ses sorts. Il n'attend pas d'avoir la bonne opportunité pour gagner. C'est dommage, ça me dégoûte, hein. Réellement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le gars, le lag lui a fait gagner. Il part sur un avantage à chaque fois. Non, top dégâts, All Might. C'est dommage, ça me dégoûte. On va faire un dernier combat, j'espère ne pas crash. Enfin, j'espère ne pas avoir de déconnexion là-dessus. Allez, s'il vous plaît, sans crash cette fois-ci. S'il vous plaît, ça serait cool. Ok, normalement, je vais changer de connexion. Ça va revenir. Ok, on va faire ça. Ah, quand même, je me disais aussi. On est à 4 tacs. Du coup, là, je vais changer de connexion et normalement, ça devrait mieux marcher. Ok. Vous voyez les dégâts juste de cette compétence? Je sais pas ce qu'il fait lui par contre. Et là j'ai chargé la compétence à fond. Regardez ce qui va se passer, hein. Regardez, hein. J'ai raté ma compétence. Oh non! Oh le bug! Le PVP qui a bug. En fait, il fait que esquiver. J'ai l'impression que c'est un bot. C'est soit je lag, soit je joue contre des bots. Bon. Enfin, il se met à attaquer. Là, par contre, qui troll vraiment. C'est vraiment dommage. Et les dégâts du Q-Spell, les amis. Les dégâts du Q-Spell. Eh ben non, ça a pas marché. Le PVP est vraiment mal foutu sur le jeu. C'est dommage. Là, je termine sur ça. On va refaire un autre combat parce que c'est dommage. Parce que c'est dommage, tout simplement. AFK et lui, le trollé, au parti d'avant. J'ai eu des freezes, des crashs. Du coup, on va recommencer. Ok, d'accord, ça a crash. Du coup, si là, je quitte, je perds le truc. Ok, d'accord. Du coup, voilà, j'ai perdu le combat. C'est cool, merci. Et là, je vais me retaper le fight. On va directement commencer avec All Might. On va pas perdre de temps. Parce qu'on est déjà à 24 minutes. C'est un petit peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup, à mon avis. Et 3, 2, 1, c'est parti. On commence directement avec All Might. Même si je veux pas commencer avec ce perso. Louis. No, yes. Ok. Et voilà les dégâts.
Je crois qu'il a voulu utiliser une compétence. Et c'est raté. Ah, bah, là, c'est abusé. Ah, là, ah ouais. Il a bien voulu utiliser des compétences. Donc, c'est un vrai joueur. Hein. Ok. J'ai chargé la compétence à fond. Et la compétence. Ah, ils ont réduit les dégâts. Ils ont réduit les dégâts. Pas comme sur la chinoise où ça enlève toute la vie. C'est pas du tout comme sur la chinoise. Maintenant, ça enlève qu'un tiers. Ah ben non, 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 là ça enlevait plus de la moitié de sa vie. Du coup, voilà, c'était le petit test du personnage. Voilà, incroyable. Moi j'ai bien aimé, même s'il y a eu énormément de lags. Mais comme vous avez vu, le perso est overcheaté, il est super fort. Et faut invoquer sur lui, tout simplement. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Peace et prenez bien soin de vous tout le monde. Ciao, ciao!